Thank you.
Oh. Yeah. Oh.
Oh, Mickey, j'ai un tout petit peu peur. Ah, moi, je sais pas pour ta gueule. Toku, je n'ai pas l'habitude des bibliothèques magiques. C'est normal, ce qui se passe. Oh oui, tout se passe exactement selon le plan. C'était dit de façon un peu inquiétante. Je veux savoir ce que j'y gagne. Tu recevras tout ce qui t'est dit. C'était dit comme une menace, ça aussi. Oh non, on l'a cassée. Ça veut dire qu'elle est à nous, parce que j'aurais bien besoin d'une ou deux étagères. Vite, Leocan, ramassez les livres et suivez-moi. Mais pourquoi on se bat? Oh! La bibliothèque s'est transformée en grimoire! La grande histoire de Monote. Le pays de Monote est une terre magique et splendide. Mais son histoire a connu des périodes très sombres. À l'origine, Monote était dirigé par quatre héros, aussi ingénieux que courageux. Ils représentaient les quatre domaines de la connaissance. La botanique, l'astronomie, les sciences et techniques, et enfin, l'histoire. Les quatre héros travaillaient ensemble pendant de longues années, et Monote a vécu dans la paix et l'harmonie. Chacun d'eux a consacré ses compétences et sa passion à la création de quatre vénérables grimoires, quatre livres magiques. Les livres de la connaissance. Ces quatre tomes furent rédigés pour partager le savoir qu'ils contenaient avec tout le peuple de Monote. Cependant, Grésard, le héros dont la spécialité était l'histoire et les inventions, devint distant et égoïste. Il tenta de détruire les livres et de profiter de tout le pouvoir pour lui seul. Les trois autres héros, unis contre leur ancien ami, livrèrent alors une bataille épique et gigantesque. Le trio réussit à maîtriser Grésard assez longtemps pour le bannir, lui et son laboratoire, dans un univers protégé par un portail secret. Quand la bataille fut terminée, les trois héros firent un pacte. Pour s'assurer qu'un pareil événement ne se reproduirait jamais, chacun garderait un livre de la connaissance et devrait le cacher au plus profond de son lieu de vie pour que chaque grimoire soit à jamais isolé des autres. Monote était sauvé, mais au prix d'énormes sacrifices. Que
attendez, je me suis trompé. Donald, c'est terrible. Ça veut dire que Toku nous a trompés pour récupérer les livres pour lui. Lui et les autres Hokan doivent travailler pour Grésar. Ce qui veut dire que nous avons aidé Grésar. Et que nous avons piégé les trois autres héros, qui sont sûrement des gens innocents qui ne font que leur travail. Donald, tu n'as pas compris. Nous étions partis pour être des héros. Mais on dirait plutôt que nous sommes... Nous ne sommes pas des héros. Et même pire que ça, Dingo. Techniquement, nous sommes... Les méchants. Oh non. Non, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas d'accord. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons remédier à nos erreurs de façon héroïque et agir en vrais héros. Alors, nous pourrons libérer les vrais héros et devenir de vrais héros nous-mêmes. Oh, c'est parfait, Mickey. Mais comment on va réussir ça? Aucune idée. Je pense qu'on devrait commencer par aller voir la postière. On dirait qu'elle est au sommet de l'organisation du pays des sciences et techniques. Comment tu le sais? C'est juste ici, sur l'image du monde des héros. Mm-hmm. Tu as raison. Fais-moi toi, est-ce que je vais trouver? Mince, ça, je n'en sais rien encore. Et si on disait les mots magiques dans le désordre, au lieu de dire tibidi, 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 on dirait tibidi, 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 tibidi. Vu les règles bizarres de ce pays, en fait, ça pourrait marcher. Bonne idée, Dingo. Oh, merci. On doit faire quoi déjà? Je ne veux pas de récompense. Mais bien sûr que si. Ta récompense, c'est d'aider quelqu'un qui en a besoin. Ça ne paye pas un bateau, mon gars. En avant tout le monde. Partons pour le pays des sciences et techniques. Essayons de libérer la postière. Il sait qu'un bateau en or ne peut pas flotter. Il va s'en rendre compte. En avant. Oh, bon sang. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Vous voyez, c'est une histoire assez drôle en fait. Très drôle. Attendez, pourquoi il fait si noir? Est-ce que notre soleil n'envoie pas assez d'ampère? Je n'ai pas vu une telle obscurité depuis... Oh, oh non! Oh, oh. Le livre, il a disparu. Malheureusement, nous les avons tous donnés aux Hokan. Les Hokan? Pourquoi auriez-vous... Attendez, nous les avons? C'est-à-dire tous les livres? Oui, nous avons donné tous les grimoires aux Hokan. Plutôt héroïque, non? Pourquoi avez-vous fait ça? Eh bien, nous pensions que nous faisions ce qu'il fallait pour aider. Mais pour savoir ce qu'il convient de faire, il vaut mieux avoir les bonnes informations. Sans ça, vous ne savez pas que la bonne chose à faire est en fait très mauvaise.
Et nous venions de tout apprendre sur Grésar et la bataille. Et qu'il était prisonnier dans son univers pour avoir mal utilisé le grimoire. Nom d'un grincement de roues dentées. Ils vont utiliser les livres pour libérer Grésar. Où sont les héros des autres univers? Nous les avons capturés comme vous et ils sont toujours emprisonnés. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons tout arranger. Vous m'excuserez de trouver vos promesses un peu douteuses. Monote et tout son peuple sont en grave danger. Oh, mais que faire, que faire? Si vous nous laissez vous aider, nous vous promettons de faire tout ce qu'il faudra. Absolument. Oh oui. Bon, très bien, nous devons préparer un plan. Bien, montrez-moi où sont allés les Hokan. Quand nous avons rangé les livres dans la bibliothèque, un portail s'est ouvert et les Hokan s'y sont engouffrés avec les grimoires. Et alors la bibliothèque s'est transformée en livre d'histoire. C'est seulement la sixième fois que je vois ça. Pourquoi Daniel n'était pas Carter? Il l'était. Par nous. Mais quelqu'un a réussi à déjouer la surveillance. Exact, mais nous en sommes là maintenant. Alors pourquoi ne pas regarder vers l'avenir? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Libérer les autres héros et retrouvons-nous à l'endroit où était la bibliothèque. Ensuite, nous pourrons ouvrir le portail et venir à bout de Grésar. Vous pensez que nous pouvons le vaincre? Honnêtement, je n'en sais rien. La dernière fois que nous avons combattu Grésar, ce fut une bataille acharnée. Nous avons tout juste réussi à le capturer avant de nous enfuir en hurlant. Oh mince, ça n'est pas très encourageant. Ah, ça tu peux le dire. Mais, la dernière fois vous n'étiez pas avec nous tous les quatre. C'est vrai. Et si nous avons pu vous battre et que vous avez battu Grésar, peut-être qu'ensemble nous pourrions réussir. Exactement, maintenant vous devriez partir, nous n'avons pas beaucoup de temps. En avant tout le monde, soyons les héros qui vont libérer les héros que nous avions capturés quand nous n'étions pas des héros. On pourrait faire mieux comme cri de ralliement. Oh.
Oh.
Thank you.
Chercher la bagarre, hein? Grosse erreur! Oh, Mazie, vous allez bien? Mazie! Mais c'est qui, Mazie? Mais enfin, vous êtes Mazie, Mazie! Nom d'un tournevis tendu! Je ne m'appelle pas Mazie! Comment alors? Je m'appelle... Mazie! Oh, mince alors! Oui, Grésard! Maître inventeur, seigneur de toute connaissance, créateur de ce laboratoire et auteur de votre imminente disparition. Attendez, Mazie, c'est Grésard? Mais non, Grésard, c'est ma fille. Grésard, c'est Grésard. Ben ça, d'habitude je suis assez bon pour jouer avec les noms, mais je sèche sur celui-là. Assez parlé pour ne rien dire. Mais vous pourrez causer de cette bonne correction toute votre vie! Il attaque, attention! Yeah!
L'épuiser pour de bon. Tu crois que c'est fini, Mickey? Merci beaucoup, mes amis. Mais je vous en prie,
Attends. Quoi? Vous avez brisé le sort et m'avez libéré. J'étais sous contrôle depuis une éternité, prisonnier dans mon propre corps. Sous le contrôle de qui? Un méchant petit rongeur de livres qui s'appelle Toku. Toku? Je suppose avoir votre stupeur que vous l'avez rencontré. Oh oui, nous l'avons rencontré. Il nous a trompés pour voler tous les livres de Monote. Mais nous pensions qu'il voulait vous relâcher parce que vous étiez méchant. Moi? Méchant? Certainement pas. Je ne me mets presque jamais en colère. Enfin, tant qu'on ne me donne pas de gazpacho. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi on choisirait de consommer de la soupe froide? Hein? Donc, vous n'avez pas attaqué les autres héros qui ont été obligés de vous emprisonner il y a bien longtemps? Eh bien, si je l'ai fait. Mais Toku m'y a forcé. Vous savez, il contrôlait mon cerveau avec cette couronne magique. Oh mince! Et il vous l'a mise pendant votre sommeil? Non, je l'ai... Il s'est approché par derrière et vous l'a collé sur la tête? Non, pas du tout, j'ai... S'il vous plaît, arrêtez! Ah, j'ai mis cette couronne moi-même. J'ignorais totalement qu'il y avait un sortilège de contrôle du cerveau dedans. Je l'ai juste trouvé joli. Vous avez bien raison, elle fait très chic sur vous. Oh bah merci. Alors qui est Toku en réalité? J'ai consulté sa page Tokupédia et ça dit juste « Gars hyper sympa, guide suprême des Hokan, joueur de trombone très doué ». Croyez-le ou non, Toku est le créateur de Tokupédia lui-même. Ça... Quoi? Oui. Pendant des années, Toku a été mon apprenti et je le croyais mon ami. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il s'en prendrait à moi. Il n'a jamais montré qu'il nourrissait une rancœur à mon égard. Il agissait comme si notre affection était partagée et je le croyais. Le genre d'amitié qui ne se produit qu'une seule fois dans une vie. Nous sommes même partis en vacances dans nos familles respectives. Ah, quel idiot j'ai été! Ça alors? Donc, Toku était le mauvais génie depuis le début. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Je n'en ai aucune idée. Au moment où il a révélé qui il était vraiment, j'avais déjà la couronne sur la tête et je n'étais plus maître de mes pensées. Eh bien, nous allons arranger ça. Nous sommes ici pour cette raison, pour vous retrouver et récupérer les grimoires. Oh, je ne les ai pas. Ça, je sais bien. Vous devez retrouver Toku. Trouver Toku, c'est trouver les livres. Désolée de changer de sujet, mais il y a un moment quand vous êtes apparu, pourquoi vous avez dit que vous vous appeliez Mazi? Mazi est le surnom que la postière me donnait quand nous étions plus jeunes et il est resté. Oui, ça vous va bien. Elle a toujours aimé donner des surnoms malgré son air sérieux. Eh bien c'est vrai, ça vous est resté. Pourquoi vous ne nous avez pas empêché d'aider Toku? C'est étrange. Je n'ai jamais vraiment su ce qui arrivait à Monote, ni même à moi. Je savais que c'était moi, mais en même temps, je l'ignorais. C'est clair ce que je dis? Pas du tout! Oui! Ah, d'accord. Je n'étais jamais totalement présent. Vous voyez, la version de moi que vous avez rencontrée était la plus petite part de ma personnalité que mon subconscient était capable de projeter dans ce laboratoire. Je n'ai pas compris. Oui. Le laboratoire est toujours intact, ce qui veut dire qu'il n'a pas encore détruit les grimoires et absorbé leur pouvoir. Mais il peut le faire d'un moment à l'autre. Alors nous devons nous dépêcher. Le temps n'attend personne. Vous savez, nous avons vraiment besoin de quelqu'un pour prévenir les autres héros de ce qui se passe. Oh oui, ça nous aiderait vraiment beaucoup. D'accord, vous pouvez totalement compter sur moi. Je devrais probablement m'innocenter à leurs yeux. En tout cas, la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons combattu âprement. Alors j'imagine que nous sommes impatients de nous retrouver. Et nous allons retrouver Toku et l'empêcher de détruire ses grimoires. J'admire cette confiance. Avant votre départ, j'ai là quelque chose qui pourrait se montrer utile. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai créé les livres, j'ai pris des notes et je les ai rangées tout au fond de mon laboratoire. Fané, démonté, implosé,
Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Eh bien, selon les règles et la magie de cette île, je suis sûre que nous en trouverons l'utilisation précise quand il le faudra. Dépêchons-nous! Dirigez-vous au sommet de mon laboratoire. Je me dis que vous y trouverez Toku. Bonne chance, mes amis. Et rappelez-vous, la roue du temps ne s'arrête jamais. Oh, bien sûr que la roue du temps ne s'arrête jamais. C'est son travail.
tu fasses de bizarre, arrête immédiatement. Oh, salut Mickey et ses amis. Qu'est-ce que vous venez faire ici? N'essaie pas de nous amadouer avec des mots sucrés. Nous sommes venus chercher les grimoires. Par tous les moyens. Oui, par tous les moyens. S'il te plaît, donne-nous les livres. Non, attendez, je suis, oui, c'est ça. Je suis victime d'un sort jeté par Grésard. Il contrôle mon esprit avec ce chapeau. Regardez. Celui que tu viens juste d'enlever? Oui, non, un autre chapeau, un chapeau invisible, caché sous celui-là, un sous-chapeau, c'est connu ici, hein. D'accord, j'en ai assez entendu, allez, rends-toi, Toku. Grésard nous a tout révélé. Grésard est un menteur, je ne suis pas le méchant, d'accord? Mes amis Okan vont me secourir. Vraiment? Où sont-ils? Ah, c'est vrai, je n'avais plus besoin d'eux, alors je les ai tous renvoyés parce qu'ils me sont inférieurs. Mais vous savez, s'ils étaient ici, ils me défendraient sans hésiter. Alors écoutez-moi, s'il vous plaît. Oh, ça devrait être intéressant. Au départ, tout ce que je voulais, c'était être pris en compte. Avoir une place à la table, une chance de participer, de faire entendre ma voix. Mais d'où vient cette musique? Et pourquoi je ne pourrais pas? Je suis futé. J'ai des idées géniales. Peut-être que je m'y suis mal pris, si on veut, mais la seule raison qui m'a poussé à le faire, c'est parce que toute ma vie, j'ai été maltraité, ignoré, jamais on ne m'a pris au sérieux. Même si de la vie de tout le monde, je suis petit. Donald a raison. Ce n'est pas parce que tu es petit que tu peux contrôler l'esprit des autres et les envoyer attaquer des gens. Ou tromper un groupe d'amis pour qu'ils t'aident à contrôler l'univers. Il est vraiment égaré. C'est tellement triste. D'accord, très bien. Vous refusez mon excuse. Je m'en fiche. Vous ne comprenez pas d'où je viens, de toute façon. Ha! C'est là que tu te trompes, Toku. Tous les jours, chacun d'entre nous doit chercher profondément au fond de lui-même cette petite paillette d'héroïsme. Pour nous, il s'agissait d'être assez courageux pour accepter ta mission et affronter tous les dangers qui se présentaient. Mais quand nous avons découvert que tu nous avais trompés, nous avons dû trouver le courage d'admettre notre erreur. Nous avons travaillé durement pour réparer ce que nous avions fait. Et après tout, c'est exactement ce que font les héros. Oh, Mickey, je suis si fière de toi. Oh, c'était sentimental, mais je suis d'accord. Je vous aime, les amis. Oh, fichez-moi la paix. Je n'ai jamais dit que je voulais être un héros. J'ai dit que je voulais diriger Monote. Et maintenant, c'est exactement ce que je vais faire. Quand j'aurai absorbé le pouvoir des grimoires, tout le pays de Monote tremblera devant ma puissance. Vas-y. Tu fais mal au nez. Waouh! Joli coup, Minnie! Je suis désolée de l'avouer, mais ça m'a fait très plaisir. Ne t'en fais pas. Si une chose mérite un bon coup de pied, c'est la volonté de détruire le monde. Je voudrais donner un coup de pied. Oh non! Toku a déjà commencé à jeter le sort. Les livres sont en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on va faire, Mickey? Si je fais un cadeau, je te ferai pas prêt. Le papier! Il n'y a que ces quatre mots. Famé, démonté, implosé et fin. Mickey, ce sont les mots que chaque région utilise pour dire arrêtez. Peut-être que ça va stopper le sortilège. C'est brillant, Minnie. Disons-les ensemble très fort. Famé, démonté, implosé, fin. Continuez à s'écrouler! Ramassons ces livres et sortons d'ici!
Mais une fois que la couronne a été détruite, c'est comme si l'horloge remontait le temps. Boum ! J'avais retrouvé ma bonne vieille nature. J'insiste sur bonne vieille. C'était Toku depuis le début. Je suis désolée que nous ayons douté de toi, mon cher ami, et que nous ayons dit tant de mal dans ton dos. C'est ce que je dis toujours. Le passé est passé, alors présentons-nous un bel avenir. Tu ne dis jamais ça. Ah, tu m'as coincé. Mais c'est bon, pas vrai? En fait, c'est génial. Je vais même le mettre sur un t-shirt. Mes chers amis, sommes-nous victorieux? Avez-vous récupéré les grimoires? Grésar, à ce stade de nos aventures, la victoire est au livre. Hourra! Merci, vous êtes littéralement mes héros. Maintenant que les grimoires sont réunis, allez-vous les séparer une fois de plus? Ou allez-vous essayer d'achever vos expériences? Nous devons apprendre du passé, ou nous sommes condamnés à le répéter. Ce que mon ami philosophe essaye de dire, c'est que nous n'en ferons rien. Exactement. Nous avons essayé ces approches, et les deux ont fonctionné aussi bien qu'une poule sur une bicyclette. Une poule sur une bicyclette? Évidemment! Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ces livres seront mieux préservés entre les mains de héros. Les vrais héros. Oh, mince! Bien que vos procédés aient présenté à certains moments quelques défauts... Des défauts? C'est nous! Vos intentions ont toujours été bonnes. Vous n'étiez peut-être pas les héros pour lesquels ces grimoires ont été créés, mais vous êtes ceux qu'il leur faut. Ça alors, merci. Nous sommes très honorés. Oh, que ferez-vous, chagrin? Que va devenir Toku? Je sais que le portail est fermé et qu'il est coincé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il prépare déjà son prochain forfait. On reste calme. Très bien. Alors, mon plan n'était pas aussi parfait que le prévoyaient les simulations, mais comment j'aurais pu deviner que Mickey et ses amis allaient me trahir de façon si spectaculaire? Tenez, je serai le premier à admettre que nous sommes tous également à blâmer pour ça. Et vous savez... Non, mais arrêtez! Non, on avait dit pas les oreilles! Toku va avoir beaucoup de temps pour réfléchir à ses erreurs. Merci encore de votre aide précieuse. Nous aimerions beaucoup que vous restiez un peu plus longtemps. Je suis certaine que Monote renferme encore bien des mystères et qui n'aime pas explorer les mystères. Au revoir. Merci de tout ce que vous avez fait, mes amis. Sans vous, j'aurais fait partie de l'histoire. Un bon canard, certes. Eh bien, je suis de nouveau dans la course. Je viens juste d'apprendre que j'avais une page Tokupédia et elle a bien besoin d'une mise à jour. Il est dit que je suis né au nord de Monote. Le nord de Monote, rien que ça. Je suis né dans la région de l'Ouest. Qui croirait que l'Internet puisse raconter une chose aussi fausse? Vous essayez de devenir une célébrité? Ah, j'ai du mal à l'imaginer. Avant que je parte... Et voilà! Le pique-nique! Ça donne envie de rester. Ce n'est pas un peu exagéré? Oh, je crois que c'est un beau monument à notre amitié. On peut le voir comme ça. Merci, Grésar. C'est charmant. Maintenant, je dois partir. Le temps n'attend personne. Vous en êtes sûr? Ce pique-nique ne demande qu'à être partagé. Très bien dit, Minnie. Et c'est la meilleure façon de passer du temps, surtout avec ses amis. Oui. Qui suis-je pour me disputer avec le temps? Bon appétit! Oh,